5435 points. On va retrouver Giovanni Filippo qui est avec nous. Giovanni, bonjour, membre de la cellule Info d'Expert de Bourse Direct. 5435 points. Comment est-ce que vous regardez ce marché ce jeudi après-midi, Giovanni? Bah écoutez, on a eu, le moins qu'on puisse dire, un premier trimestre assez difficile, hein, après de premiers arbitrages, notamment aux États-Unis en défaveur des classes d'attiquisation. Vous en parliez à l'instant, à cause de cette remontée des taux des rendements US, hein, qui dans un premier temps, quand elle a été annoncée, le resserrement de la Fed, on va dire que ça a été bien pris, hein, puisque l'économie américaine était solide dans un second temps. Maintenant, on sent que ça crée certaines pressions et donc des marchés américains enclins à consolider, je pense, un peu plus. Depuis les points bas, je dirais, du premier trimestre, c'est vrai qu'au niveau de l'Europe et notamment le CAC 40, c'est ce qu'on anticipait d'ailleurs au cours du printemps, on a une reprise assez significative, on surperforme les États-Unis. Mais là aussi, il faut relativiser, hein. Faut voir ce que les indices américains ont gagné depuis 2009. Un petit exemple, hein, le Dow Jones 300%, le S&P 330%, le Nasdaq 500%, alors que le CAC retraité de ses dividendes n'a gagné que 2%. Si on regarde même de façon relative avec l'évolution de la parité euro-dollar, début 2009, l'euro-dollar se situait aux alentours de 1,23 à 1,25. Donc voilà, donc on va dire qu'on peut relativiser cette surperformance et surtout penser que les marchés américains peuvent continuer à baisser. Alors le petit problème qui se pose, il est plutôt d'ordre tactique et technique, je dirais, dans un premier temps, puisque certes, on a amorcé une reprise, on se rapproche des tops annuels, on pourrait pourquoi pas former d'ailleurs un nouveau top annuel à moyen terme. À court terme se pose le problème de tensions assez importantes, des divergences assez nombreuses, donc nous sommes assez prudents, je dirais, à court terme. On est plutôt acheteur sur repli. Voilà, on envisage depuis une petite semaine un reflux de l'ordre de 1 à 2%. On a constaté hier un petit retour sur un premier niveau d'inflexion qui a bien résisté. C'est ni plus ni moins que les 23,6 de retracement du dernier cycle haussier. Tant que ce niveau tient, je veux dire, on reste dans l'espoir, si vous voulez, d'un printemps plus radieux. D'autant plus que voilà, Mario Draghi a évité de créer des ondes dans la mare. C'est son communiqué et son statu quo sur les taux. Donc tout va bien pour l'instant en Europe, mais méfiance à court terme. D'ailleurs, le marché est assez prudent puisqu'on est très couvert sur l'échéance mai. Les positions ouvertes sur les contrats sont dans la moyenne autour de 300 000 contrats. Ça veut dire que le marché n'est pas non plus en totale confiance. Méfiance aussi peut-être au-delà de la saison des résultats qui accapare un petit peu les esprits. C'est aussi une question qu'on se pose, Giovanni. Quel catalyseur au sortir de cette saison des résultats qui va se terminer dans 15 jours, 3 semaines, quoi, grosso modo? Bah, l'effet réforme fiscale a été pricé, il est apprécié, je dirais, à plus ou moins sa juste valeur aux États-Unis. Difficile maintenant, si vous voulez, d'espérer beaucoup mieux pour l'avenir. En tout cas, on verra bien un peu comment l'économie américaine va évoluer. Pour ce qui est de l'Europe, bon, là on est quand même dans un petit coup de mou surtout en Allemagne, on attend un petit peu des relais. Je pense des réformes peut-être un peu plus fortes pour assurer, je dirais, cette phase de reprise. Donc au niveau des sociétés, on n'est pas très inquiet. Maintenant, c'est plutôt le contexte général qui peut perturber l'évolution indicielle, avec les tensions diverses et variées, les problèmes au Proche-Orient, la guerre commerciale qui, à mon avis, n'est pas terminée, le rapport de force également, je dirais, entre les Américains et les Chinois pour le leadership au niveau économique, le rapport de force et le bras de fer également avec la Russie. Beaucoup de thèmes, si vous voulez, qui peuvent quand même tourmenter les marchés et compliquer, si vous voulez, le scénario de reprise, en tout cas dans la durée. Je peux dire que je signerais presque pour, je dirais, une performance blanche, je dirais, sur l'année, c'est-à-dire un CAC qui clôture à peu près sur les mêmes niveaux de l'année dernière. Ça serait, à mon avis, déjà pas mal dans l'état actuel des choses. Donald Trump va pas devenir un bisounours du jour au lendemain. Je crois que il va y avoir encore des tensions liées à cela. Donc voilà. Donc on est plutôt dans l'achat sur repli. Il faut essayer d'optimiser au mieux, si vous voulez, la volatilité qui vient gagner les marchés ponctuellement. Voilà, on ne price pas, si vous voulez, ni un bull market, ni un bear market, mais plutôt un marché de trading. C'est ce qui se met en place depuis plusieurs mois et c'est ce qui fonctionne bien jusqu'ici. Et il faut vraiment, je pense, rester dans cette optique. Et ça vaut donc pour les valeurs. Merci beaucoup, Giovanni. Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, donc avec nous en direct sur BFM Business cet après-midi.